Petit coucou du samedi, donc samedi 16 décembre. Il est 11h. Donc finalement, après ce que je vous ai raconté hier soir sur le... quand partait Alexis avec son père, donc finalement, son père vient chercher... Qu'est-ce qu'il fait là? Son père vient chercher donc vers... bientôt, là il est 11h, donc entre 11h et 11h30. Donc voilà. Pas très motivé à y aller Alexis, mais bon, va bien falloir. Quant à nous, bah après, on va directement aller chez, on va directement aller à Picard, et puis je vous montrerai ce qu'on a pris pour le réveillon, sachant que, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais l'entrée, c'est mes parents qui amènent. Donc nous, on va prendre le plat, le dessert, et puis le jour d'avant, bah, on ira acheter le fromage, et le dimanche matin, on prendra le pain, et puis on achètera le, donc le fromage, ça, tout ça. Le samedi, je pense, ça va être blindé de monde, mais bon... donc voilà mes amis, j'ai pu regarder Koh-Lanta sans être spoilée de n'importe où, donc je sais qui a gagné, j'ai regardé tout et tout. Donc je suis trop contente, bon je regardais un peu en accéléré des certains passages, parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc voilà. Donc voilà, il fait froid, hein. Bon voilà, c'est rien de nouveau, ça va être comme ça tout décembre, tout janvier, tout février. Donc voilà, donc oui j'arrête de tourner parce que vous allez avoir mal au cœur. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Il est 13h30. J'ai super mal à la tête, donc je suis en train de me faire un doliprane. J'en ai pris un. D'habitude, j'en prends pas effervescent, mais j'en suis fait un effervescent. J'ai trop mal à la tête. Finalement, alors, on était chez Picard et on a été manger. On a un resto chinois à côté de chez nous, là, chinois-japonais. On est allé à pied, donc finalement, on a mangé là-bas ce midi. J'ai dit qu'on serait finalement. Au départ, j'ai dit on serait un resto. Après, j'ai dit on s'en ferait pas. Après, j'avais dit on s'en ferait. Bon, bref. Donc finalement, on y a été. Voilà, et on va partir chez mes parents tout à l'heure à 5h30, donc on a encore un peu de temps devant nous vu que là il est 1h30, je crois que je l'ai déjà dit. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai pris chez Picard. Ce que j'ai pris chez Picard, je vais vous montrer ça. Donc je sors tout du congé. Alors, pour le dessert ou le café, j'ai pris des macarons, comme ça. Je vous mettrai les prix, chez le ticket, je vous mettrai les prix sur la vidéo. J'ai pris des macarons. J'ai pris une bûche en forme de chalet. Vanille, caramel, beurre salé, voilà. Donc pour, il y a 800 ml. Une bûche glacée, voilà, 8 parts. Et on sera 7, donc voilà. La bûche en forme de chalet, je trouve ça trop mignon. Ensuite, j'ai pris des mini gratins de pommes de terre. Voilà, donc j'ai pris 2 boîtes. J'ai pris, je vous montre comme ça vient parce qu'on a organisé. J'ai pris, ça c'est pour l'apéritif, c'est des bouchées apéritives au bloc de foie gras de canard. Et elle se présente comme ça. Donc c'est super joli. On a pris un chapon farci. Farce au bloc de foie gras de canard et au sauterne. Donc voilà. On a pris 10 à 12 personnes. On a pris des petites verrines. 6 mini coupes de la mer. Et on a pris 2 boîtes. Voilà. Il y en a 12. Et on a pris... des fagots de haricots verts avec le parfumé autour. Et là, j'ai pris deux boîtes. En fait, les comment s'appelle les trucs de pommes de terre, là, j'en ai pris 3 boîtes. Il y en a 12. Qu'est-ce que j'ai samedi prochain? J'irai acheter le fromage et la salade. Dimanche matin, le pain frais. Et puis voilà. Donc voilà, mes amis. Donc je suis contente que ça soit fait, comme ça on est paré. Je pense que ça va être sympa. Bon, en apéritif, je mettrai aussi des trucs normaux, genre des cacahuètes, des trucs comme ça. Enfin voilà, il y a les verrines, les petites bouchées, et puis on... voilà. Je suis essoufflée parce que j'ai porté le truc là, j'ai porté un truc lourd. Voilà, j'ai mal au dos. moi j'ai reçu mon cadeau de Noël, parce que je ne vais pas vous dire ce que c'est, je vous montrerai après. C'est un très gros cadeau, qui fera Noël et mon anniversaire d'ailleurs. Tellement c'est cher. Voilà, et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais monter, j'ai des trucs à faire sur mon ordi.
Puis après, je regarderai quelques vidéos, puis on repartira tout à l'heure. Donc voilà, à plus tard. Je vous reprends vite fait parce qu'au courrier, j'avais un colis Wish. Donc voilà, tout petit colis. Je m'en rappelle plus que je l'ai commandé. Et en fait, je vais vous montrer, c'est un bracelet. Voilà, c'est un bracelet qui ressemble à ceux de un peu d'Annick Demy, mais bon. Alors, c'est un bracelet comme ceci, élastique, donc des perles de cette couleur et un cœur qui pendouille. Et je vais plutôt le mettre de l'autre côté. Hop. D'ailleurs, j'ai celui d'Emile. Voilà, comme ceci, ça va. J'aime beaucoup ce type de bracelet, les trucs qui pendent là. Donc voilà, donc je suis bien contente. Je ne sais plus, j'ai payé ça combien. J'ai dû en avoir pour 2 euros avec les frais de port, 1,95 €. Comme souvent, c'est le prix que je mets. Donc voilà, à plus tard. Au coup du soir, donc il est 21h40. On vient de rentrer en fait, on était chez mes parents. On n'a pas mangé avec eux, on a juste bu. En fait, on avait un meuble à leur amener. Donc David a comme ça aidé mon père à amener le meuble, et puis il a aidé mon père à le mettre dans le garage et tout. Puis du coup, on a pris l'apéro, puis du coup, on est rentré. Bah voilà, on est rentré tard. Je vous ai fait quelques images là sur la route parce que à l'aller, parce qu'il y avait un ciel qui était que je trouvais joli moi. Puis quelques décos de Noël, donc voilà, je trouvais ça assez sympa de filmer. Je me demandais si ça allait rendre d'ailleurs avec mon téléphone, mais finalement, ça, je pense que ça va pas rendre trop mal. Donc voilà, je vous mets ça. Comme s'il était 3h du mat. Voilà. Du coup, après l'apéro, donc on a bien grignoté, on va pas manger hein, ce soir parce qu'on n'a pas faim du tout. Il y a du bruit. Ni l'un ni l'autre. Donc voilà, donc je pense que je vais clôturer le vlog ici. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner.